Hey, c'est YouTube, c'est Ultra. On a les premières cartes de l'extension à venir, Cœur de la Chasseresse en français. Avec, bon, du coup, vous vous doutez, quelques petits leaks au niveau des champions. Vous reconnaissez le thème pour les amateurs de LoL, peut-être moins pour ceux de LOR. Mais je vais directement vous le montrer en mille. On a, a priori, hein, Nykos sur un artwork, donc... C'est une quasi-confirmation. Et on a un petit ARG sympa. Bon, qui a déjà été terminé, évidemment. Mais je vous invite à aller le faire si vous avez envie de vous amuser. Sur le compte Twitter officiel de Playrunetera. Voilà, voilà. Mais qui peut avoir donné un indice sur un autre champion. Je n'en dirai pas plus. Même si, bon, on se doute d'un autre champion de... On se doute quand même d'un autre champion de cette extension. On va pas se mentir, étant donné que son artwork est déjà sur Twitter. Bon, accessoirement, mesdames et messieurs, faites attention. Toutes les cartes ont été leaks, donc pour ceux qui ne veulent pas se faire spoil, évitez les spoils, faites attention. Parce que malheureusement, Runeterra R a pendant une petite quinzaine de minutes et bah, révélé toutes les cartes de l'extension. Donc évidemment, je ne réagirai pas à ces leaks, on va respecter le travail des développeurs. Et on va se concentrer sur ce qui a été du coup montré aujourd'hui par ces derniers. Alors vous voyez qu'on a une série de cartes. Hein. Donc on a les buissons de la faille, premier degré. Hein, qui ont donc enfin une existence dans le lore. Qui seraient les buissons d'Ixtal. On a pas mal de cartes différentes avec une nouvelle mécanique qui est la mécanique Embuscade. Alors, Embuscade, c'est quoi? Cette carte peut être jouée cachée si vous n'avez pas d'autres alliés dotés d'Embuscade déjà cachés. Attention, c'est compliqué. Et si la carte est jouée cachée, vous jouerez donc une ombre dans les, hautes, dans les herbes hautes. Vous, dans les hautes herbes, non? Ça fait bizarre, les herbes hautes. Mais bon, toujours est-il... Vous jouerez une ombre dans les herbes hautes. Ça fait très bizarre. Vous ne jouerez pas la carte que vous venez de jouer. Et vous allez récupérer du coup dans votre main le sort d'embuscade lié à cette carte. Donc vous voyez, eh bien le poacher ici, il a embuscade 3. Et il va vous donner en main un sort. Vous voyez que le sort n'a pas de rareté. C'est pas un sort qui peut être mis dans le deck. Hein, c'est un sort qui est créé par le poacher. Mais il va vous donner en main ce sort instantané pour 3, qui transforme une ombre dans les herbes hautes en, eh bien, le poacher en question, et qui va donc activer son effet. Donc, quand il se transforme... comment dire? Quand il se transforme du spell en question, eh bien, la prochaine fois qu'il bloque ou qu'il est bloqué ce round, il va capturer l'ennemi en face de lui si sa puissance est de 6 ou moins. Donc a priori en instantané, donc ça c'est pas mal fort, c'est utile, hein, c'est une vraie carte piège à la Yu-Gi-Oh pour le coup. Donc c'est vachement cool. À côté de ça, eh bien on a un trooper tout terrain qui lui a une embuscade de 0, donc le numéro à côté d'embuscade caractérise juste le coût du sort que vous aurez à jouer. Hein. Et donc en l'occurrence ici vous allez transformer une ombre des hautes herbes en trooper tout terrain quand il est invoqué ou transformé. Eh bien, vous allez octroyer à l'ennemi le plus faible vulnérabilité. Voilà, vous voyez qu'il y a une différence entre les textes des deux embuscades, c'est intéressant. Il y en a un qui dit « quand je me transforme » et il y en a un qui dit « quand je suis invoqué ou me transforme ». Donc là, il y a un petit truc intéressant, c'est-à-dire que le poacher ici, eh bien, ne s'active que si vous le jouez face cachée, entre guillemets, et que vous le révélez grâce au spell qui coûte 3. Le trooper tout-terrain, lui... Que vous le jouiez face cachée et le révéliez ensuite, ou que vous le jouiez immédiatement en 3-1, il a le même effet. Donc ça peut être intéressant, il va y avoir des phases particulières avec les différentes cartes. Ensuite, on a littéralement le chasseur de gros gibier, non, pardon, mais un tout petit peu quand même. Alors, quand eh bien, vous le jouez, vous manifestez une carte avec embuscade, et quand un allié se transforme, vous doublez sa puissance et vous doublez ses PV. Bon, le truc, c'est que c'est une 5-6 pour 7, donc c'est particulièrement lent, donc même si son effet est incroyable, parce que je rappelle que la transformation, du coup, actuellement, c'est embuscade, mais c'est aussi les transformations en fin de tour de bundle, hein, avec les cartes comme Gnar, et c'est aussi tous les level-up d'unités du jeu. Hein, tous les champions, tous les level-up de champions, c'est une transformation.
Donc, ça peut donner des trucs complètement débiles. Imaginez, je sais pas, un Trundle qui level up avec ça et qui du coup double ses stats. ça peut faire des bêtises, hein. Mais bon, il coûte particulièrement cher. Il est difficile à placer dans une curve, donc on verra s'il a un vrai intérêt. Mais l'effet est puissant. L'effet est puissant, c'est sûr. C'est sûr. Alors, à côté de lui, du coup, on a Anura et Froop. Hein. Les alliés qui ont un sous-type différent des autres alliés en jeu coûtent un de moins. Vous voyez que c'est une reptile et que donc, ça fait référence eh bien, à tous ces sous-types-là. Donc, chat, chien, yordle, ça fait référence à tous les sous-types qu'il y a dans LOR. Céleste, transfiguré. Donc, je sais pas si cette carte peut avoir une utilité. Je sais pas si un deck peut vraiment jouer plein de sous-types différents et quand même avoir une synergie. Tant qu'on n'aura pas plus d'informations sur les champions d'extension, je pense que quantifier cette carte est difficile. A priori, ça a l'air d'un très mauvais merde bundle, mais il y a quand même une grosse différence, hein, c'est que c'est pas le premier allié ce tour-ci. C'est moins bien sur papier qu'un merde bundle parce qu'il y a pas la découverte. Mais c'est un merde bundle pré-nerf. Et je rappelle que le merde bundle pré-nerf, il était complètement broken. Donc même si elle n'a pas la découverte et qu'elle a moins de stats, elle est potentiellement très très forte. Donc je ne vais pas me prononcer sur la carte tant qu'on n'a pas de champion lié à sa mécanique. Ensuite, nous avons un vaillant porc-épic hein, qui lui, par contre, je me permets de dire, est un peu naze. Quand un allié s'est transformé cette partie, octroyez-moi plus 1, plus 1. Bon, ça fait une 2-3 pour 1 et on ne peut pas s'empêcher de comparer à Pierre du coup. Parce que Pierre, dès que vous jouez un site, c'est une 1-1 qui devient une 3-3. En île obscure, il y a une créa qui, si vous avez un allié qui meurt, passe de 1-1 à 3-3. La première fois qu'elle voit un de vos alliés mourir. Donc généralement, quand une carte a une condition à remplir au T1, elle passe de 1-1 à 3-3. Ici, il y a moins de risques, hein, vu qu'elle est 1-2. Mais elle passe à 2-3. Et du coup, vraiment, c'est beaucoup moins fort. Parce que 1-1 ou 1-2, c'est quasiment le même combat. Et par contre, 3-3 ou 2-3, c'est pas du tout le même combat. Hein. Tu bloques les redoutables, tu bloques pas les redoutables. Bon, tu vois l'idée ? C'est pas très impressionnant. Hein. Bon, ensuite, face check. Jolie petite référence à LOL. Hein. Un face check, c'est quand vous vous avancez vers les buissons sans vision sur League of Legends. Donc là, eh bien, un face check, c'est quand vous allez rentrer dans le buisson sans vision, vous allez manifester une carte avec embuscade. Finalement, on a, comment je pourrais dire, le chaton Paca. Un cub, c'est un bébé chat, quoi, mais... Enfin, un bébé de n'importe quel félin. Mais donc, voilà, un petit bébé chat, un petit bébé Paca. Donc, c'est une 2-2 Fearsome avec embouche 1, ok. C'est-à-dire que bah, vous pouvez transformer du coup l'ombre dans les herbes hautes, ça me fait toujours aussi bizarre, hein, en pack à cub. Alors, il a Fearsome, ce pack à cub, et ça veut dire que tu peux le déclencher au moment de ton attaque, hein, au moment de ton attaque, en instantané, tu peux transformer cette ombre en pack à cub 2-2 avec Fearsome, que l'adversaire pourra pas bloquer parce qu'il a redoutable, et si vous tapez le Nexus, vous invoquez une 3-1, rien que ça. Donc c'est une 2-2 qui, si elle tape le Nexus, invoque une 3-1. Sur papier, c'est fort. Pour le coup, c'est fort. Après, bon, l'embuscade coûte 1, vous invoquez une 3-1, et vous pouvez vous faire cancel. C'est-à-dire, vous allez le transformer en instantané, hein, avant d'attaquer. Une fois que vous avez déclaré l'attaque, c'est trop tard. Bon, l'adversaire peut décider de mettre des bloqueurs, et si l'adversaire met des bloqueurs, vous pouvez utiliser ce sort après. Donc il y a quand même toute une phase de mind game avec cette nouvelle mécanique embuscade qui peut être intéressante. Hein. Toute une phase de réponse et de savoir quand utiliser vos cartes. Mais pour que ce soit intéressant, il faut toucher le Nexus. Donc à part surprendre votre adversaire qui n'a pas de buff dans son deck ou qui n'a pas de cartes qui ont 3 ou plus d'attaques, il n'y a pas des tonnes de choses à faire non plus avec ce pack à cube. Mais enfin, c'est un chat. Et on rappelle qu'il y a déjà eu un sort tribal pour les chats en Shurima et qu'il y a probablement Nidalee dans l'extension, hein. Probablement, très probablement, du genre, l'artwork est partout sur internet, probablement, et la moitié des sorts qui ont été révélés sont liés à elle, d'une façon ou d'une autre, et Shurima, c'est un petit peu Ixchital, et il y a déjà plein de mécaniques tribal chat, et c'est un chat.
Bon, c'est le secret le moins bien gardé du monde, hein, donc évidemment, je ne discute pas des leaks, mais quand même, c'est le secret le moins bien gardé du monde. Donc a priori, sauf si on se fait bait, Nico et Nidali, c'est confirmé. On verra pour les autres champions d'extension, mais normalement, Nico et Nidali, c'est confirmed. Et avoir, du coup, le tag chat, eh ben, ça peut avoir une valeur. On verra quand on aura de plus amples informations sur les mécaniques de ces champions. Voilà tout. J'espère, évidemment, que vous êtes hypé. Je trouve le thème sympa. Et je trouve la mécanique embuscade incroyable, en vrai. Je trouve les cartes un peu faibles, par contre. Mais sans avoir les champions, et sans, du coup, sans avoir le payoff principal, hein, c'est difficile à dire. Parce que au final, déjà, sans avoir la méta dans laquelle ça va être joué, sans avoir les interactions, on peut se faire bait, même quand on a toutes les infos. Hein. On voit Seth, qui au début était considéré comme nul, et qui finalement est très très fort pour ses stats, et Jack, bah, qui a les mêmes stats, et qui était considéré comme très fort pour ses stats, et qui finalement bah, ne trouve pas sa place dans les decks. Mais alors, quand t'as même pas les champions et les payoffs, c'est difficile de faire un call. Donc il y a certaines cartes, bah, comme le Porky Pig, que je trouve un petit peu en deçà des stats habituels pour une condition d'activation, surtout une condition d'activation aussi compliquée que celle-là. Mais on verra quand on aura le set complet pour voir si on peut faire des dingueries avec les embuscades et avec les decks multi-tribaux, du coup. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve la prochaine fois. C'était Ultra. Ciao tout le monde.